80, c'est une formation qui va te permettre de vulgariser ta thèse. Ça commence avec une étape d'inscription sur Amethyst, suivie par une préparation écrite et orale de ce qu'on va présenter en 3 minutes. Tu seras suivie par un ou plusieurs formateurs. Et ensuite, tu vas pouvoir te lancer dans le grand bain. Finale locale, régionale, nationale, puis internationale si tu vas jusque-là. Je suis inscrite à ce concours parce que quand j'étais en stage à l'étranger, j'ai pu voir les sélections locales de ce concours en anglais. Ça m'a permis de comprendre plein de sujets divers et variés et j'ai trouvé ça absolument génial. La première chose, c'est le challenge personnel. J'avais envie de me surpasser et d'essayer de dépasser cette peur de m'exprimer face à un public. Ensuite, il y a le fait de pouvoir rencontrer d'autres doctorants et de pouvoir échanger sur divers sujets, que ce soit donc la chimie, la bio, l'histoire, la psycho, etc. Et puis, évidemment, apprendre à vulgariser mon sujet de thèse en 3 minutes et partager au grand public ce qu'est la recherche. Les temps de préparation, parce qu'on a pu discuter beaucoup avec les différents doctorants, et le moment où on s'est tous préparés sur scène avant cette finale-là, qui était un peu suspendue, et c'était assez chouette à vivre. Et les passages sur scène, en fait. Vraiment ce moment où tu te retrouves face au grand public, et les gens viennent pour t'écouter, et pour essayer de comprendre ce que tu fais, et de voir ta famille, tes amis te suivre. Elle savait qu'elle voulait arriver là, donc elle serait plutôt contente de voir qu'elle y était. Elle pourrait savoir qu'elle a plein d'outils pour communiquer plus facilement, mieux, et de vulgariser ce qui était son souhait depuis le début. Je pense qu'elle serait vraiment impressionnée et fière de voir que j'ai pu aller jusque-là, parce qu'honnêtement, je pars de très loin. Je suis une ancienne grande timide, donc pour moi c'était vraiment un gros défi, cette expérience. Et au final, ça a été juste magique et j'ai rencontré un tas de personnes et je me suis vraiment surprise moi-même. Bah, inscris-toi, t'as rien à perdre, t'as juste à gagner de compétences, d'aisance à l'oral et aussi de pouvoir communiquer avec tes proches, ce qui est non négligeable. Être un bon chercheur, c'est pas seulement savoir manipuler correctement et obtenir des résultats, c'est aussi savoir communiquer ces résultats. Tu vas être amené durant ta thèse à participer à des congrès, à rédiger des articles et MT180, c'est un super bon exercice pour justement apprendre à communiquer ces résultats et apprendre à discuter sur son sujet de thèse.